Ah mes amis, que des barres, plus de tracas, voilà pourquoi moi je fais la fête au filage. Pom pom pom, il y a un navire qui a fait le naufrage, ça s'est englouti devant les flots. Avant belle-mère qui est venue du Congo, qui ramène des pays sauvages. Pom 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 pom. Ah mes amis, qu'est des barres, plus de tracas, voilà pourquoi moi je fais la fête au village. Pom, pom. Ça m'a l'air qui est vitrigueux. Doğukan, ne yapıyorsun? Arabaya çalışıyor mu Doğukan? Çalışıyor. Benimki bozuk. Aç şey çalışmıyor. Motor çalışmıyor. Ha, bu da çalışmıyor. Bilmiyorum. Bu çalışıyor ama bu da çalışmıyor. Anne baksana. Pasaport da bitti. Ne yapacaksın? Uzattırman lazım. Bir tek boş sayfa yok. Baksana. Buradan giderken şuraya ne olacak? Baştan bir şey herhalde. Siz çocuk oldun sen. Mon père était le directeur général de la Banque d'Agriculture en Turquie, qui est une institution très très forte. Et ma mère était sa secrétaire, une très jolie fille. Bon, ouais, tout compris. Ah oui, ça, il faut le dire que c'était une très grande chanteuse, ma mère. C'était une très très grande chanteuse de la musique classique turque. Mais elle n'a jamais été une vedette, maman. Et mon père, il parlait trois langues. Il avait fait ses études pendant la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, à Lausanne. Les seules cartes qu'il voulait qu'on ait en main, c'est qu'on ait une vision du monde le plus large possible. Et alors, ils nous ont dit, allez faire vos études ailleurs. On a tous fait dans nos études jusqu'à la baccalauréat, dans les écoles bien de la Turquie. Et tous les frères en question, on est allés... Enfin, moi et mon frère, on a choisi la Belgique, l'autre l'Angleterre et l'autre la Suisse. Turc, immigré, 15 ans de carrière, 15 millions de disques vendus. Bugün gibi sessiz geçen herkes kol kola son geceyi herkes kol kola boşun ölen ilk kol kola güçlü gibi herkes kardeş. Herkes kardeş, herkes kol kola dedim. İki Sen aman 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 ah dilim daha sen. Of be, şu ellerime bak ne hale geldi. Ne zor şeymiş çocuk be. Ahlarken bakıyorum siz beni bayağı kullanmaya başladınız. Yok çocuğun alnı değiştim. Yok bilmem ne yap. Ağlama yavrum. Sana söylemiyorum. Ya çocuğun maması hazır. Ay canım acıktı. Sen kapı çalınıyor. Biliyoruz. Biliyorsunuz da neden açmıyorsunuz? Ağlama yavrum. Anlaşıldı ben açayım. Mücü maşallah. Maşallah yavrum. Mücü 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 mücü. Gün birinde evleneceksiniz. Ya evleneceğin şahıs derse ki bu araştırma süresinde ne oluyor böyle yani bu plaktan bu hatıralar ne oluyor bunları görmek istemiyorum. Yani bir kıskançlık gösterse ne yaparsın? Ben böyle bir şey gösterecek, bu tür kıskanç olabilecek birisiyle evleneceğimi hiç zannetmiyorum. Böyle birisini seçeceğimi hiç zannetmiyorum. Ve yine zannetmiyorum ki hiç kimse bu kadar mükemmel bir insana, bu kadar mükemmel bir sanatçının resimlerini indir, bunları at desin. O zaman ben senin gözünde hakikaten gerçekten mükemmel birisi olduğuna
olduğuma inanmaya başlayacağım bunlar üzerine. Evet, inanabilirsiniz. Çünkü gerçekten hem sanatçı olarak hem insan olarak bence mükemmel bir kişisin. Je suis quand même formidable pour un travailleur immigré. Siz yaklaşın bakayım, yaklaşın biraz. Siz, duruyor. Ayrılık kendi başına. Seni çok çok özledim. Arkadaşım. Arkadaşım. Tout ça, c'était le barèche turc, mais aussi il y a le barèche belge. Alors toi, comment t'es arrivé à Liège? Eh bien, c'était en 1963. J'y arrivais un peu au hasard en Belgique. Et si j'ai bonne mémoire, je devrais être le sixième immigré turc à avoir mis le pied sur le sol belge. Et parmi les cinq autres, il y avait mon frère. Donc ce qui explique un petit peu le pourquoi. Je voulais faire des études de dessin, je l'ai fait d'ailleurs, tout en faisant de la musique à côté. Bon, je vivais avec 3000 francs par mois, y compris le loyer, la bonbonne de butane, un paquet de beurre par mois, tout simplement et très simplement. J'aime bien la Belgique parce que j'ai visité plus de 30 pays jusqu'à aujourd'hui. Et parmi ces 30 pays au monde, je trouve que ce sont les Belges qui sont les plus souriants, les plus heureux, les plus sympathiques. Voilà. Et je me sens bien ici. En fait, je me considère un Wallon du Bosphore. Et toi, qu'est-ce que tu as besoin de vivre 6 mois par an en Turquie? En voilà une question. Enfin, tu permets, je suis chez moi ici. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, et c'est là où j'ai tout conçu, enfin au départ du moins. Et c'est ma culture, c'est mon passé, c'est... En plus, c'est mon job, mes concerts, mes shows à la télé. Enfin, tout, moi, je suis ici, chez moi, et chez moi, on est ensemble. Et puis, laisse-moi te poser la même question. Est-ce que tu as besoin d'être 6 mois par an en Belgique? J'ai tout ce qui me manque en Turquie, je les ai ici. Quoi, d'abord, j'ai le calme ici. Je suis pratiquement inconnu. Je suis calme, je suis tranquille. Parce qu'en Turquie, pour composer, il faut que je me lève à 4 du matin, il faut que je fasse sacrifier mon sommeil, ma vie de famille. C'est pas possible. Alors, je choisis pour créer, pour composer. Et je choisis parce qu'on vit ici, à Liège, en Belgique. Quoi. Mais moi qui aime le calme, toi, la gloire. Ça te dérange pas, hein? Ah bien non, 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 mais tu le vois d'ailleurs. D'ailleurs, une artiste, parce que mon cas, qui aurait travaillé toute sa vie pour en arriver à ça, ce qui est mon cas, je dis, je suis écouté par 50 millions de gens, je dirais maintenant que la gloire dérange. Ben non, ça je crois pas. Et puis toi, ta vie en Belgique, toi, c'est pas un peu minable? Mais pas du tout, mais pas du tout. Ici en Belgique, je continue mon petit bonhomme de chemin, j'ai ma petite maison, ma femme, mes enfants. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai les petites choses de la vie, je fais mes courses. Je conduis mes enfants à l'école. Le soir, j'ai ma bonne bière, la télé. En fait, je vis ici en Belgique. C'est un peu chez moi aussi. De temps en temps, des copains qui se manifestent. On passe des soirées calmes, famille, enfants, bière. Mais toi, en Turquie, tu dois avoir entre des millions de disques, tu dois avoir du pognon, tu dois peut-être habiter à un palais. Tu dois avoir une autre vie quand même. Il est bien vrai, je gagne bien ma vie, je gagne même très très bien ma vie. Mais alors, quand il s'agit de dépenser cet argent-là, bon, au lieu de sortir tous les soirs, champagne, caviar, Rolls-Royce, ces soirées interminables avec les filles, le Yuka Edi, non, c'était pas ça mon genre. J'ai préféré d'avoir une belle maison, une très belle maison, et m'entourer des beaux objets. Parce qu'en fait, depuis mon tendre enfant, j'étais très attiré par tout ce qui était l'art 1900, même avant déjà, il n'y a pas de Second Empire, art 1900, art déco, art nouveau. Et voilà, finalement, j'achète tous ces beaux objets. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Ça, c'est ma dernière chanson. La traduction en français se fait « Rien ne vaut la santé ». Eh bien, quand je compose, je pars toujours d'une idée de base. Mais la musique me revient toujours sur la route belge. Les dalles de béton qui se font ploum, 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 ça me donne le rythme. Et je termine ma chanson et puis en phase finale, j'écris le texte et je colle sur la musique que j'ai composée sur la route. Oh my gosh.
travailler sous un régime fort, ça t'a posé des problèmes ou des problèmes de conscience? Eh bien non. Bon, mettons les choses au point. Ce que nous appelons le régime fort, ça appartient du passé. Actuellement, évidemment, il y a eu des gens contre, il y a des gens pour, fatalement. Mais moi, personnellement, au niveau professionnel de travail, je n'ai jamais eu de problème pendant ces années fort. Peut-être parce que je n'ai pas de texte politisé. Parce qu'en fait, ma musique est politique, dans mon esprit, ça ne coïncide pas. Je ne vois rien de politique à raconter dans mes chansons. Voilà. Mais je peux peut-être vous raconter une petite anecdote. Ça s'est passé dans les années 71-72, je crois, il y a à peu près 15 ans. La police faisait une raid chez un groupe de gauchistes pour chercher des armes, probablement. Et puis, les deux policiers, dans la chambre, ils ont vu un poster de Che Guevara. Au mur, il y en a qui disent il y a le poster de Che Guevara, si on le prenait. Et l'autre qui dit, lui répond, ben non, c'est Barrachement, je te vois bien, c'est lui, laisse tomber. Alors bon, j'étais politisé une fois dans ma vie, grâce à cette petite anecdote. Je suis le raté de la famille, parce que je ne parle que trois langues. Par contre, mon frère, homme d'affaires liégeois, lui, il est sérieux, puisqu'il vient de recevoir la trophée internationale de la technologie de la meilleure entreprise wallonne à l'exportation. Rich, d'abord, c'est pas la trophée, c'est le trophée. Et puis, c'est pas lui qu'on invite au standard, c'est moi. Ça fait déjà des années, je lui dis. Il devient grand, il devient vieux, il n'a qu'à couper ses cheveux, il n'a qu'à venir travailler avec moi. Et puis, si tu veux faire quelques tours de chant, bon, tu peux faire une perruque avec tes cheveux. Tu peux chanter à Istanbul une fois par an, à Ankara une fois par an. Pense à ta femme, pense à tes enfants, pense à notre famille. Maintenant, il est temps de réfléchir pour faire quelque chose de sérieux, je trouve. Sultan, zalim, zalim sultan.